j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage général pour le mois d'août et pour le signe du taureau, ascendant taureau, et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter éventuellement leur maison qui serait en taureau, selon si chacun approfondit son thème du ciel. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel été. Voilà, depuis le 16 juillet, vous, dans votre signe, il y a eu aussi... Il est là depuis un petit moment, Uranus en taureau, mais je l'énumère depuis le 16 juillet, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était la pleine lune et donc l'éclipse partielle, je vais y arriver, de lune pour ce 16 juillet. Donc j'espère que vous allez bien avec cette énergie Uranus qui est passée dans votre signe et qui a mis en exergue avec Chiron qui est juste à côté, donc en bélier. Cette énergie-là de révolution intérieure, de changement concernant tout ce qui touche au domaine du financier, tout ce qui touche à l'ordre de la matérialité, tout ce qui touche à vos relations aussi, tout ce qui va toucher à vos relations amoureuses, par exemple, parce que le signe du taureau, c'est un amoureux éperdu. Hein, on sait tous que Vénus, c'est la planète qui est dans sa maison quand il est dans le signe du taureau, mais pas que, mais voilà, en tout cas, là j'ai envie de le préciser parce que c'est votre signe. Et avec Uranus, ça me parle vraiment de... Il y a un rapport à l'autre qui est différent en termes d'amour, mais aussi un rapport à vous-même. Je pense que vous avez choisi la bonne voie pour beaucoup d'entre vous à aimer avec plus de profondeur, plus de respect, plus d'authenticité, plus de vérité. Vous ne vous voilez plus la face. Vous avez su passer au-delà d'une certaine peur ou d'une certaine croyance limitante. Peut-être que pour certains c'est encore un petit peu difficile, mais à mon sens, cette énergie d'Uranus me parle de ça, cette révolution, cette capacité à communier avec vous-même dans votre vie, mais aussi dans vos relations, mais à vous-même. En fait, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez plus de sécurité intérieure. Ça me parle de ça. Parce qu'en fait, le signe du taureau, c'est aussi quoi? Très attaché à la matérialité. Mais pas que. C'est-à-dire que dans le relationnel, excusez-moi, il peut y avoir aussi cette forme d'attachement excessif qui le rend possessif, qui peut le rendre peureux de perdre la matière. Parce que c'est des personnes de terre, donc ils sont très attachés à la matière, très attachés aux gens. Ils aiment. C'est des épicuriens, en fait. C'est... Voilà, j'ai envie de dire, c'est des êtres humains. C'est tout simplement. Vous êtes des êtres humains. Bien qu'on ait tous un petit clin d'œil avec une espèce, on ne sait pas trop. Je rigole. Là, j'avais envie de faire un petit clin d'œil humoristique, mais voilà, il y a vraiment cette idée de fantaisie. Ouais, voilà ce que ça m'évoque aussi. Avec Uranus, c'est la fantaisie aussi, c'est l'originalité. C'est... En fait, vous aimez passionnément à votre façon. Et c'est ça votre beauté, en fait. L'invitation, c'est aussi peut-être de ne pas tomber dans le... Enfin, de ne pas. Ne pas faire et ne pas faire. Des fois, je manque à ma parole. Enfin, je manque à ma parole. Je dis ne pas, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas vraiment ce que je veux énumérer. Mais si à chaque fois, je rentre en profondeur dans chaque truc, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, cette vidéo. Et j'essaye de faire des tirages un peu plus concis et plus réduits pour éviter que ça fasse des... tirage à rallonge. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Voilà, mais je vais commencer directement avec l'oracle G. Alors, il y a une voiture qui vient d'arriver. Je vais faire une petite pause. Et puis, je reviens. Donc, c'est parti. On continue. Je vais essayer de faire attention cette fois-ci parce que sur le tirage précédent des signes des béliers, j'ai fait tomber une carte dans l'eau. Juste à côté, donc c'est un peu risqué en même temps. Voilà, c'est les aléas du... La vie au grand air. Allez, c'est parti, je vous demande s'il vous plaît le message d'amour pour le plus grand bien du plus grand nombre, pour ce tirage général, pour ce signe du taureau, ascendant taureau, et à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Merci, merci, merci pour votre amour, votre soutien et votre protection. Amen. Alors, quel est l'énergie masculine, l'énergie d'action? Allez, on en a une qui est arrivée. Ok, elle est sortie à l'envers. Donc en fait ici, ce n'est plus un hasard. Vous faites les choses de façon rationnelle.
Ça m'étonne pas plus que ça pour des taureaux, mais enfin. Peut-être qu'auparavant vous vous laissiez porter là une période au gré des hasards sans trop savoir peut-être où est-ce que vous, à peu près, où est-ce que vous souhaitiez aller ou quoi faire. Ici, je pense que dans l'énergie là du Yang, donc l'énergie masculine, l'énergie d'action, ce que vous entreprenez, aussi ce qui se passe en vous. Hein. C'est-à-dire que vous, ça me parle de structure. C'est marrant, ça me parle de justesse, de structure émotionnelle. Ouais, c'est ça. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez pu vivre des insécurités émotionnelles et c'est ce qui vous portait jusque-là dans vos choix ou vos prises de décision. Vous laissez un petit peu faire le hasard. Je pense que vous aviez besoin d'observer certains de vos fonctionnements, d'observer certains événements, certaines situations pour être sûr d'une décision. Ici, ça me parle de... En fait, vous prenez une décision. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y en a qui tranchent quelque chose ou qui prennent... qui font un choix. Ça me parle de ça. Vous ne laissez plus faire le hasard des choses. Vous êtes maître décisionnel de votre vie. Là. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est dans... dans votre domaine sentimental, dans le domaine professionnel, je ne sais pas sur quoi ça peut vous parler, mais c'est ce qui me vient là. C'est-à-dire que vous ne laissez pas faire le hasard. Alors, si par exemple, étant donné que dans l'énergie Yang, cette carte peut-être, ben, je les polarise à ma façon, c'est-à-dire que je les énumère de façon négative et positive, bien que ce soit... ni négatif, ni complètement positif dans tout ce que j'énumère à chaque fois, mais c'est juste pour le nommer, essayer d'un petit peu de jauger et communiquer ce que j'ai envie de transmettre. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y a la difficulté à lâcher la maîtrise ou le contrôle aussi. Ça me parle de ça. Parce que le hasard, s'il est à l'envers, ça nous parle aussi d'ouverture au jeu de hasard, aux choses du hasard. Donc en fait, peut-être qu'excessivement parlant, il peut y avoir un excès de contrôle pour certains d'entre vous. On va voir la suite. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'énergie Yang, s'il vous plaît? Oui. Ok, ça nous parle d'autonomie. Ici, on a le sphinx qui nous parle de quoi? D'indépendance. Le sphinx, c'est vraiment ça. C'est l'animal sauvage qui part à l'aventure, qui vit sa vie. Ça me parle de l'âme. En fait, c'est la magie, celle-ci. Enfin... toutes en fait, elles ont toutes un sens qui va être relié à comment vous pouvez vous le vivre ou l'interpréter dans votre cœur, dans votre âme, dans vos sentiments, dans votre émotion, dans votre fort intérieur. Ici, ça me parle de vraiment, en fait, je pense que vous prenez un choix d'autonomie ici, d'indépendance. Vous sortez de quelque chose qui a pu être en lien avec peut-être la dépendance ou la peur affective. L'insécurité, là, à quoi vous étiez attaché, ce besoin de vous prouver à vous-même que vous êtes une belle personne et que vous êtes présent à l'autre parce que vous êtes aimant, vous êtes des personnes, voilà, vous êtes tout le temps présentes, parfois trop gentilles en fait. Les signes du taureau, c'est ça, des personnes que je connais, en tout cas, c'est vraiment le clin d'œil que j'ai envie de faire, c'est tellement gentil que parfois vous oubliez vous. Et en fait... le fait d'agir de cette façon en excès, vous attendez inconsciemment qu'en retour, il y ait autant d'amour qui vous soit transmis ou d'attention en tout cas. Et ce n'est pas forcément le cas. Et ça peut vous créer cette forme de frustration ou d'attente. Et ici, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, vous prenez une décision d'autonomie, d'indépendance. C'est-à-dire que vous lâchez prise sur le fait ou le sentiment que ce soit le bonheur, les autres qui vous comblent de bonheur dans votre vie, mais c'est vous qui osez entreprendre les choses de façon autonome, de façon avec votre force, votre courage, votre caractère, votre... C'est vraiment le message de votre âme hein, qui est en train de vous dire ça, quoi, en gros. Enfin, je peux pas me prétendre dire que c'est le message de votre âme qui dit ça, mais c'est vraiment... Osez prendre les décisions qui sont justes pour vous, en fait. Cessez de vous victimiser. Cessez d'attendre d'autrui de vous sentir heureux. Communiquez si c'est pas quelque chose que vous faites habituellement.
En fait, vous avez de quoi mettre en œuvre des actions pour arranger ou améliorer des situations. Et quand bien même ces situations ne s'arrangent pas ou ne s'améliorent pas en fonction de ce que vous estimez qui est bon ou moins bon pour vous ou pour l'autre dans votre vie, vous voyez comment ça peut parler, mais il y a l'idée de vous prenez les mesures radicales pour vous-même. Ça ne veut pas dire que vous tombez dans l'égocentrisme, ça veut dire que vous savez un peu plus être égoïste. Et être égoïste, c'est quoi? C'est aussi faire preuve de... comment je peux dire? Une forme de maturité, en fait, émotionnelle. Vous n'avez plus peur du rejet des autres, quel que soit ce que vous choisissez ou que vous prenez comme décision. Vous affirmez plus. Il y a une autonomie à travers... pas forcément de façon verbale, directe. Pour moi, c'est affirmation de soi en prenant des décisions et en mettant en action la roue de votre destin, en fait. C'est ça, c'est vous qui êtes à l'œuvre de vos accomplissements, en suivant vraiment la volonté de votre esprit sauvage. C'est ça, l'âme, c'est votre esprit sauvage, c'est celle qui n'écoute pas les conditionnements, celle qui n'écoute pas les on-dit, qui dépasse la peur, qui va là où elle a envie d'aller. Et même si c'est l'inconnu, et même si ça fait peur, et même si, oui, c'est l'aventure, on se retrouve seul peut-être, c'est l'aventure. Pour moi ici, il y a une décision un peu comme ça. Alors je dis pas que pour certains d'entre vous qui sont en famille, il faut tout quitter, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a une mesure d'autonomie qui se fait dans le sens où vous prenez des décisions. Vous n'attendez plus que les autres acquiescent vos décisions. Voilà, vous n'attendez plus l'approbation des autres. Vous reprenez plus votre pouvoir créateur, votre responsabilité. D'accord ? On va voir pour l'énergie yin ce que ça nous dit. Alors, on en a deux qui sont sortis. Ok. Ça nous parle de l'énergie de la ville ici et on a le couteau qui est renversé. Alors, de quoi ça me parle ? Ici, ça me parle... peut-être que dans l'énergie du féminin, donc... intérieurement, vous avez envie de changer de lieu de vie. Ici, c'est la ville. Et ici, on a le couteau, on a l'épée. Ça me parle de trancher un lien avec les... Je pense qu'il y a une rupture de quelque chose qui est en train de se faire, ou que vous souhaitez faire, mais qui peut être difficile pour vous. Parce que, en fait, il y a comme une forme de colère. Cette colère, est-ce qu'elle est constructive pour vous? Est-ce que vous savez l'orienter et prendre les décisions qui vous sont justes pour aller vers ce projet de vie que vous avez envie, ou est-ce que c'est l'emprisonnement affectif qui vous empêche de vivre quelque chose d'autre? Je sais pas pourquoi c'est... L'idée de cette colère là dans le féminin et du changement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent de la frustration parce qu'ils ont envie de changer de lieu de vie, mais qui ne s'autorisent pas. Et en fait, tant que vous ne vous l'autorisez pas, tant que vous n'osez pas franchir les caps, vous allez vous infliger cette colère et cette frustration à vous-même. En revanche, si cette énergie est mise au service d'une action positive et constructive pour vous dans votre vie, c'est ok. Ça va devenir quelque chose de vraiment chouette, mettre cette énergie créatrice au service de votre volonté d'âme. Ici, on a l'invitation à un lâcher prise et à un changement. On a l'énergie du 12 et du 5. Donc, il y a à rompre un lien ici, à rompre quelque chose et l'énergie d'un changement pour ces deux. Dans l'énergie du féminin. Donc, du féminin, c'est ce que vous ressentez dans votre intuition, ce que vous avez envie à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'exprimez pas, mais que vous avez envie. Waouh ! Alors, on en a trois qui sont sortis. Waouh ! Alors là, super. Alors, on a l'abondance. Cette carte, c'est une des cartes. Elles ont toutes une vibration positive et négative, mais le soleil, ça reste quand même une énergie de bonne, je dirais, très très favorable. Et on a aussi l'abondance ici. Et on a l'épanouissement avec l'été. Donc là, ce que c'est en train de me dire, c'est que, en fait, cet été,
courant de cet été, en fait, vous êtes en train de vous épanouir, à prendre une décision, à mettre en lumière avec votre capacité solaire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vivre. Et vous allez, plus vous allez être dans l'action du soleil rayonnant, le soleil rayonnant c'est quoi? C'est juste d'être dans votre action de joie, en fait. Clairement, suivez votre élan de joie et vous verrez que, voilà, vous posez pas de questions, le soleil il brille tout seul. C'est ça. Suivez votre élan et c'est ça qui va vous apporter l'épanouissement et l'abondance dans votre vie. C'est vraiment, ça me parle de confiance, ça me parle de l'énergie du plexus solaire. C'est celui qui est là. C'est vraiment l'énergie du soleil, c'est la confiance en soi. Vous avez la confiance et les capacités de pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Libre à vous de prendre ces décisions pour votre plus grand bien. Les énergies vous montrent que c'est favorable de le faire cet été. Prenez des décisions qui sont bénéfiques pour vous. C'est vraiment ça. On a le soleil, on a le 1. Le 1, c'est l'énergie de commencement. Il y a un élan, vous mettez en place quelque chose dans votre vie. Quel que soit le temps que ça puisse prendre, posez une intention et une action qui va aller dans ce sens-là. Parce que vraiment, ça serait dommage de s'en priver. Clairement, voilà les énergies. Donc, bon. Voilà, voilà. Il y a un changement très, très favorable qui se profile. On va voir pour... voilà, on a la route qui est sortie. Donc, il y a vraiment un changement de direction. Ça parle de déplacement. Ça parle peut-être même de déménagement. Ça parle peut-être, si c'est de l'ordre du professionnel, et il y en a beaucoup qui vont peut-être développer une activité ou en tout cas réussir. Il y a vraiment quelque chose, il y a de l'abondance ici, quoi que ce soit dans le changement professionnel, dans un changement de domicile, un changement de vie. J'ai l'impression qu'il y a un changement de vie pour vous, clairement. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va dire d'autre, mais là c'est vraiment ça. Pour certains, il y en a que c'est... Il y a un gros changement, une autonomie, une indépendance. Et vous, c'est vous qui créez, vous ne laissez plus faire les choses au hasard. Vous êtes en action, c'est vous qui mettez le pied à l'étrier. C'est vous qui actionnez la roue du mouvement. C'est vraiment ça l'énergie. On va pour la synthèse du tirage. Ok. Et la synthèse ici, on a le calme retrouvé. Magnifique. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez su réévaluer ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce qui est le vraiment important pour vous, ce qui est primordial pour votre état de santé, pour votre état d'être, pour le respect de vous-même, que ce soit émotionnellement parlant, relationnellement parlant. Il y a un calme, ou en tout cas un calme retrouvé. Ça me parle d'un calme intérieur. C'est comme si vous vous sentiez davantage en sécurité parce que vous vous autonomisez. Donc vous ne dépendez plus de qui que ce soit et donc vous vous sentez plus libre de vos choix et de vos actions parce que c'est vous qui créez, c'est vous qui actionnez chaque mouvement et vous n'êtes pas là à attendre à la merci de « Oh mais t'aurais dû m'aider à faire ça, non ?» Non, là vous êtes, c'est vous qui avancez en fait, pas à pas dans votre vie. Et ça vous apporte justement cette sérénité parce qu'en fait vous allez, je pense pour beaucoup d'entre vous, retrouver un espace de vie où vous vous sentez plus à l'aise, plus en paix, au calme, peut-être un nouvel environnement qui vous permet ce calme-là aussi. Que vous soyez en famille, en couple hein, ou seul, c'est... Voilà de quoi ça me parle. Il y a un bateau qui passe. Bateau sur l'eau. J'entends des chansons de gamin. Est-ce qu'on a un message complémentaire pour les signes du taureau? Waouh, on a eu la fête. C'est la fête au village ici. Ici, il y a une fête. Vous fêtez la vie, vous fêtez quelque chose, vous retrouvez confiance en vous, vous fêtez. C'est comme si vous trinquiez à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et que vous fêtez ça avec d'autres personnes. Vous trinquez la vie, à la vie. Et à la mort aussi, parce que les deux vont ensemble. Mourir à des schémas. Rompre des liens pour passer à autre chose, des paliers, c'est aussi ça que ça me dit, c'est... Et vous... C'est ça, vous... en fait, vous fêtez
la liberté d'être et vous n'avez plus peur du jugement. On a l'énergie du vin. Donc il me parle de ça. Vous osez être qui vous êtes, vous allez auprès de nouvelles personnes, vous allez rencontrer aussi, fêter la vie avec d'autres personnes certainement. Il y a une fête, il y a quelque chose de comme ça, une fête. Ouais, un changement très très bénéfique pour vous, magnifique. On va voir avec les portes de l'intuition, un message complémentaire. Ici, on a la manipulation qui vient vous dire maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez ? Donc faites-vous confiance. Ça ne parle encore de confiance du soleil que j'ai énuméré tout à l'heure. On a une voiture qui passe. Soyez vigilant à vos pensées négatives. Vous avez toujours les capacités de les réorienter de façon positive et constructive dans votre vie pour accomplir chacune de vos actions dans le sens de votre création et de vos accomplissements. Faites-vous confiance. On va voir s'il y a une autre carte complémentaire avec les portes de l'intuition. On va voir. Non, il n'y en a pas. Bah, la perle sous le paquet. Je vous la montre. Il nous parle de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Magnifique. Est-ce que vous saisissez ? Est-ce qu'elle vous offre en fait ? Est-ce qu'elle vous apporte ? De magnifique. Superbe tirage pour vous. Allez, on va demander une petite dernière avec l'oracle des anges gardiens. Ça nous parle d'autocritique, qui nous disent « Nous tes anges, nous te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. » Ça vient encore faire un lien ici avec la manipulation, vous voyez, les pensées négatives que j'ai énumérées tout à l'heure. C'est vraiment ça votre piège, hein. Soyez vigilant à ça, c'est vraiment l'observation, l'invitation. Observe donc les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà pour les messages complémentaires. Et vous avez sous le paquet l'encouragement en dos de deck qui nous parle de ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable, même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres. Sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Bon ben voilà. Continuez de donner de l'amour, de toute façon pour vous les signes du taureau, je pense pas que ça va être compliqué. Magnifique, faites-vous confiance dans vos capacités, voilà, c'est vraiment l'encouragement. Voilà très chers amis, pour les signes du taureau, ascendant taureau aussi, tous ceux qui sont là parmi nous, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis ben, voilà, c'est l'heure du coucher du soleil, ça reflète un peu, je sais pas si vous voyez. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août, passez un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances et pour ceux qui travaillent ou sont en activité, ben un bel été aussi dans tous les cas. Prenez bien soin de vous et voilà, je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures. J'espère que ce changement qui est en train de s'opérer pour vous, ben il va être cool en fait. Je pense qu'il est déjà cool hein, pour vous. Dans tous ces changements de direction là, qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Soyez confiants. Ayez la foi. The power. Gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.